Hello tout le monde, bonjour à tous, nous sommes ensemble pour un nouvel épisode du Courrier des Abonnés, épisode numéro 133. J'espère que vous passez tous encore de très très bonnes vacances en ces chaleurs. Alors vous le voyez, des invités spéciaux pour cet épisode numéro 133 que nous n'avons plus vu depuis un sacré moment. Vous avez là toute ma collection de véhicules Lego Speed Champion. Alors, je ne sais pas si des gens sont encore présents qui étaient là il y a 5 ans, car c'est exactement de quand date ma dernière vidéo de review de Lego Speed Champions. Près de 5 ans déjà, et c'était ça, la Porsche 911, la toute dernière que j'avais fait. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je n'avais pas trouvé de modèle qui me convienne. Eh bien, tout ça, ça a changé, car regardez ce que j'ai là. La toute dernière qui vient de sortir en ce début du mois d'août, la Ferrari F40 en version Speed Champions. Donc surtout ne ratez pas cette vidéo, elle est prévue pour ce week-end, logiquement pour samedi. Ça va être vraiment très très cool et j'ai tellement hâte de reprendre ma collection de Speed Champions. Mais nous on est là aujourd'hui pour le courrier. Et une nouvelle fois, eh bien j'ai pas mal de stock, hein, regardez. Des petites lettres, j'en ai à peu près une dizaine, je crois que j'en ai 12 précisément, et nous allons tout de suite commencer à les lire. Épisode numéro 133, c'est parti, installez-vous confortablement, c'est toujours les vacances, et on est parti avec cette première lettre qui nous vient d'Eliott. Alors Eliott, qu'est-ce que tu m'as écrit, qu'est-ce que tu m'as envoyé, voyons ça. Des petits autocollants, j'ai cru voir Peppa Pig, tiens. Bonjour super héros et compagnie, c'est la 8e fois que je t'écris, c'est Elliot. Waouh, mais t'es l'un des plus fidèles. Quand vas-tu faire l'épisode 7 de Paper Mario? Eh bien, tu tombes super bien. L'épisode 7, tu l'as peut-être pas vu, il est tombé, eh bien, le week-end dernier, dimanche dernier. Donc si tu l'as pas encore vu, tu peux aller voir. Le 8 arrive également très très bientôt. Quand vas-tu faire l'épisode 3 de Luigi's Mansion 2 HD? Alors lui, ça fait un sacré moment hein, que je l'ai fait, alors peut-être que tu n'as pas encore vu. Il y a déjà l'épisode 3, il y a l'épisode 4, et les 5 et 6 vont arriver très très prochainement, sans doute pour ce week-end. Tes vidéos sont toujours aussi géniales. À chaque vidéo, je te laisse un pouce bleu, je t'encourage à continuer. Je serais content si on pouvait se rencontrer. Gros bisous, Frédéric. Merci beaucoup, à bientôt, t'es le meilleur youtubeur du monde. Signé, Elliot. Eh bien, ça fait vraiment super plaisir ce genre de lettres. Vraiment, merci beaucoup Elliot. Tu me réchauffes le cœur. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? On a ici Peppa Pig avec son doudou. Et c'est quoi ça? C'est des autocollants de Sam le pompier. Est-ce que j'avais fait des vidéos de Sam le pompier sur la chaîne? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment très sympa de ta part. On y va, on continue. Là, eh bien, on n'a pas d'expéditeur, donc je ne sais pas qui est-ce qui m'envoie cette lettre. Alors, ouh, pas mal de choses. Est-ce qu'on a un Pikachu ici? Est-ce que j'ai vu un Pikachu? Yes! Un Pikachu! Mais quelle star, ce Pikachu, quand même. Hein. Quand on y réfléchit, c'est fou. Bonjour, super héros et compagnie. Je m'appelle Soso. J'ai 7 ans. J'adore ton contenu. J'habite à Grenoble. Est-ce que tu pourrais refaire des vidéos de cartes Pokémon? Alors oui, j'en avais fait. J'avais fait des sets d'entraînement il y a quelques mois de ça. On verra. On verra bien. En attendant, voyons ce que toi, tu m'as envoyé. Alors, là, déjà, celle-ci, c'est une fausse. Ah, quoique, c'est peut-être une ancienne. Elle date de quand? Ouais, non, c'est pas une fausse. 105 sur 116. Excuse-moi, c'était une vraie. Chenipan, Miamiasme, Hippopotasse. Alors, Deden, je vais juste le mettre de côté. Prémonition de Marge. Oh, ça aussi, c'est des belles cartes, des foulards. Elles sont magnifiques. René... On va voir si ce sont des vrais. Ambition de Cynthia. Alors ça, normalement, c'est une carte secrète arc-en-ciel. Je présume que ce sont des fausses cartes. Par contre, celle-ci... Alors là, les amis... C'est une originale. Mais quelle originale, les amis. Regardez ça. Elle est magnifique. C'est une full art. Et vous le voyez en bas. Regardez. Vous avez deux étoiles, ça signifie que ce n'est pas juste une rare, c'est une double rare. Et en plus, regardez, 199 sur 162, c'est une carte secrète, une hors-série. Une secrète double rare, celle-ci est juste
stupéfiante. Alors là, bravo, c'est top. Quant à celle-là, c'est bien ce que je pensais. Il suffit de les retourner pour se rendre compte que ce ne sont pas des vrais. Les couleurs sont complètement différentes. La brillance est également... elle est différente. Ça se voit pas trop à la caméra, je suis désolé, mais en vrai, je peux vous assurer que c'est le cas. Ça, par exemple, c'est aussi censé être une carte secrète, 178 sur 172. Ça doit être une carte arc-en-ciel, normalement. Eh bien, elle ne brille pas. Et tout comme toutes celles-ci, qui, normalement, sont vraiment de très très belles cartes. Mais ça, c'est des contrefaçons. Ici, on a des vrais. Ici, on a les fausses. Et là, on a une vraie absolument hallucinante. Et en plus, tu m'as envoyé, ça c'était une surprise Kinder de Harry Potter. Nous avons Drago Malfoy en maître ruban. Ok, super cool. Eh bien, merci beaucoup. Là, franchement, tu me gâtes. C'est réellement, réellement une excellente surprise. Et peut-être qu'elle apparaîtra en miniature celle-ci. Super cool. On y va, on continue. Alors là, nous avons une lettre qui nous vient de France. Et c'est Serdan qui m'envoie cette petite enveloppe carrée, à l'intérieur de laquelle nous retrouvons le petit mot. Bonjour super-héros et compagnie, je m'appelle... Ah, c'est Mila, Milo, c'est ça? Milo, oui, j'ai 12 ans. Je t'écris cette lettre pour te dire que j'ai commencé tes vidéos petits. Et puis, je les ai transmises à mon petit frère de 4 ans qui adore les Hot Wheels. Alors ça, c'est super mignon. Que ça soit transgénérationnel comme ça, ça me fait vraiment tellement plaisir. Et ça ne me rajeunit pas, ça veut dire que je vieillis. Je t'envoie tout mon soutien, continue comme ça, au revoir, à bientôt. Car eh bien, ça va sans dire, mais là, on est en mois d'août, je vais commencer, là, dans quelques jours, ma 10e saison de Super Héros et Compagnie. Rendez-vous compte, c'est absolument fou. Super Héros et Compagnie fête actuellement, mais je crois que c'est début septembre, je crois que c'est le 14 qu'il faudra que je revoie, fêtera ses 9 ans, 9 ans d'existence déjà, c'est fou, j'ai commencé en 2015, rendez-vous compte, certains n'étaient peut-être même pas encore nés quand j'ai commencé, et à partir de ce moment-là, on rentrera dans la 10e saison, il faudra que je trouve des choses vraiment hallucinantes pour vous, pour fêter mes 10 ans, mais on n'y est pas encore, ça sera l'année prochaine, mais je trouve ça juste ouf, comme le temps passe vite. Ok, bah merci beaucoup, on y va, on continue. Très belle enveloppe avec Ruben qui met toujours la gomme et Spider-Man. Je sens qu'on a des cartes à l'intérieur. Voyons ça. Très belle lettre. Hein. Amazing Spider-Man. Excellent. Très très beau. Bonjour super héros et compagnie. Je m'appelle Octave et j'ai bientôt 5 ans. Je te remercie pour tes vidéos, je les regarde un peu trop souvent d'après mon papa, je suis désolé. Je te fais de gros bisous, signé Octave, elle est très belle ta lettre. Désolé pour les parents. Hein. Voyons voir ce que t'as envoyé. Alors ça c'est les cartes Marvel, comme j'en ai énormément déjà, hein, vous avez l'habitude. C'est les cartes Marvel Leclerc, réveille ton pouvoir, je crois que c'est ça. Et là on a des cartes Pokémon, comme ça à les regarder, j'ai l'impression que c'est des authentiques. On va voir. Cradopo, Pomme, Solochi, Gros Doudou qui est très beau, Chochodil, Hexadron et Ambrilex. Effectivement, ça, ce sont des vraies cartes. Et ben merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir d'avoir reçu tes lettres et de savoir que tu étais fan. On y va, on continue, enveloppe suivante. Et là, nous partons cette fois-ci en Belgique. Et c'est qui? C'est Diego qui m'écrit de là-bas. C'est vrai que j'ai souvent des lettres de Belgique. Alors, voyons ça. Très beau dessin de Minecraft, déjà. Bonjour, super héros et compagnie. Tu peux faire une vidéo de Minecraft. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Je dois te dire que je suis pas vraiment spécialiste. Hein. Je vous avais déjà présenté des Lego Minecraft, ça c'était cool. Je vous ai présenté les Trésor X Minecraft également. Je saurais plus trop quoi faire. Le jeu, en tout cas, j'ose pas trop commencer parce que ça prend tellement de temps. Donc là, tu nous as fait des petits dessins super mignons. C'est des, on dirait des cartes Pokémon, je pense, puisqu'il y a des pouvoirs dessus, il y a des chiffres. Tu me diras si c'est le cas. En tout cas, merci beaucoup, comme à chaque fois. Et maintenant, une lettre qui m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vue dans ma boîte postale. Elle est hallucinante. Regardez cette décoration
avec eh bien, l'un de mes films préférés, forcément, les Ghostbusters. Elle est pas cool, cette enveloppe, franchement, c'est vraiment trop classe. Elle est classe, elle est vraiment super cool. Allez, on y va, on l'ouvre. C'est même dommage de devoir effectivement l'ouvrir. C'est pas vraiment une enveloppe, c'est un truc que t'as scotché. Allons-y, voyons ça. Ah ouais, c'est sur les Ghostbusters. J'ai l'impression que c'est classe. Déjà, le petit mot. Bonjour, super héros et compagnie. J'ai 7 ans et demi, je m'appelle Esteban. J'adore tes vidéos, surtout celles sur les Ghostbusters, car je suis un grand fan des jouets et des films. Ouais, t'as très bon goût. Je t'offre un cadeau fabriqué. C'est un personnage de Garden of Bam Bam. Je connais pas. A bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo sur ta chaîne, signé Esteban. Who you gonna call? Ah, elle est classe, cette illustration. Excellent. Ça me donne envie de le revoir. Et la Ecto One. Ah, la Ecto One, elle est mythique, cette voiture. J'adore, c'est l'un de mes 7 Lego préférés, d'ailleurs. Et là, eh bien, le petit perso. Ding, 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 ding. Il est classe avec ses yeux. Mignon. Franchement, très, très cool. Mais je connais pas du tout, donc si vous connaissez Garden ou Garden of Bam Bam, mettez-le moi dans les commentaires, parce que moi, ça ne me dit rien du tout. Est-ce que c'est un jeu vidéo, un dessin animé, un manga? Voilà, vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. On y va, on continue, lettre suivante. Là, c'est Jules qui m'écrit. On y va. Pas mal de choses dans l'enveloppe. Encore, regardez, on dirait un Pikachu de Pâques. C'est un œuf de Pâques. C'est cool. Ensuite, je m'appelle Jules. On voit pas bien. Je m'appelle Jules, j'ai 6 ans. J'espère que mes cadeaux te feront plaisir. Tous les cadeaux me font plaisir, les amis. Je ne demande absolument rien. Déjà, vos lettres me font plaisir parce que je sais qu'il y a quelqu'un derrière l'écran. Donc déjà, ça, c'est super classe. Donc oui, bien entendu. T'as écrit quoi? T'as écrit papa? Et ça, on dirait presque un Pokémon. Je sais pas trop. Tu pourras me dire dans les commentaires. Et tu m'as envoyé... Ah, elle est classe, cette... Elle est très belle, hein, cette carte de Playmobil. Et ça, c'est quoi? On dirait un Pop-It. Ah, mais c'est un Pop-It. Ça doit être encore un truc Kinder, peut-être de la même collection Harry Potter que ça. Regardez, c'est... un anneau de Quidditch. Mais en Pop-It. Ça, j'ai jamais vu. Super original, en plus on peut l'accrocher sûrement à une trousse ou à un cartable. C'est cool, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Alors un petit point, il nous reste 3 enveloppes ici et 2, il nous en reste 5. Ça va être un peu chaud, je vais accélérer pour réussir à finir dans les temps. Hop. Lettre suivante, donc on ne sait pas qui est l'expéditeur de cette lettre, hein. Ça va être la surprise. Un caillou, tu m'as envoyé un caillou. Ah bah, une mini lettre derrière une carte, regardez. Eden, 6 ans, tu as encore fait des robots et des Power Rangers. Tu as fait les chiffres qui se transforment, t'as reçu des cartes Pokémon, t'as fait une reine des aliens, t'as eu le personnage de la reine des aliens, t'as fait le bateau requin. Eh bah oui, bien entendu. Alors, tu as mis des points d'interrogation, donc tu poses des questions, mais je pense que... Tu penses que tu réponds à cette question, puisque tout ça, je l'ai fait au fil des années, Eden, effectivement. Oh, regardez ça. Ça, c'est super mignon. Plus encore, eh bien, un avion en papier que je vérifierai tout à l'heure s'il vole bien. Eh bien, merci beaucoup, Eden. Ça, c'est top. On y va, on continue. Elliot, c'est le suivant. Hop, hop, hop. De la carte Pokémon encore et toujours, en veux-tu, en voilà. Bonjour super héros et compagnie, je t'ai déjà écrit au courrier des abonnés 67, c'est ça? Ça fait un petit moment maintenant. Je m'appelle Elliot, j'ai 7 ans, j'adore tes vidéos, je voudrais que tu fasses plus de vidéos de Treasure X, de dinosaures et de Jurassic Park. Je t'envoie une photo de ma construction. Eh ben, Treasure X va revenir, ça c'est sûr. À la fin d'année, vous allez voir, même à la rentrée, vous allez avoir des trucs super cool. Je peux pas tout le temps en faire, parce qu'une fois que vous avez fait toute la collection, eh bien, il n'y a plus rien à présenter. Donc, il va falloir patienter que les nouveautés arrivent. Voili, voilou. Donc, Férosinge, Soporifique et Loupio, de très belles cartes.
que j'ai l'impression qu'elles sont originales, mais relativement anciennes. 2006, effectivement, 1900. Oh là, c'est vraiment des vieilles, celles-ci. Mais elles sont top. Cool. Merci beaucoup, mon ami. On y va. On enchaîne. Alors, l'antépénultième. Non, on en a encore une autre. Alors là, c'est... Oh, elle nous vient... J'ai pas fait gaffe. Elle nous vient. Regardez. Elle nous vient du Canada, les amis. Une lettre canadienne et québécoise, je présume. Mais ça, c'est toujours tellement classe et un plaisir de savoir que vous m'écrivez d'aussi loin. Qu'est-ce que j'aimerais partir un jour au Canada? C'est hallucinant. Je le ferai. C'est prévu. C'est dans les tuyaux, en tout cas dans nos souhaits, avec un voyage au Japon. Ah bah tiens, tu t'es donné le mot avec le précédent. Regardez, toi aussi, tu m'as fait un avion en papier et qui vole en plus. Donc c'est super top. Une Pokéball. Il y a une carte Pokémon aussi. Forcément. Allô. Eh oui, vous dites allô, vous dites pas hello, vous dites allô au Québec. Allô, Super Héros Compagnie, je regarde ta chaîne YouTube depuis 2 ans. J'adore tes vidéos d'Akedo, de Pokémon, d'Hot Wheels et de Trésor X. Moi aussi, j'aime les jouets, c'est pour ça que je te regarde. Frédéric Benoît, t'as fait un super Dark Vador là. Moi, ce qui me plairait, c'est par exemple de réaliser un jour une vidéo du Québec. Je sais pas, faire par exemple, il me vient une idée de faire un haul ou de faire une balade dans les magasins de jouets, notamment les Toys R Us du Québec, et vous montrer ce qu'il y a là-bas. Ça, si un jour je pars en vacances là-bas, je le ferai. Et pour ceux qui sont au Canada, eh bien dites-moi quels sont les autres grandes chaînes, grands magasins de jouets que vous avez là-bas. Je sais qu'il y a du Toys R Us, s'il y a autre chose, dites-le moi dans les commentaires. Et tu m'as envoyé un Noibat, voilà, version anglaise, très très belle carte également. Merci beaucoup mon ami, et je te salue de tout là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. On y va, les deux derniers, c'est parti. Là, on a une belle enveloppe de Nolan. Hop, 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 hop. On se dépêche, on ouvre. Enfin, je dis je dépêche. Vous savez pourquoi je me dis que je dépêche. Je me dépêche. Oh, regardez. Ah, tu as le Dreams, le même que moi. Est-ce qu'il te plaît? Nous, on l'adore, hein, ce set. Il est absolument fantastique. Oui, je me dépêche, car ma carte mémoire va bientôt être pleine. Et j'aimerais finir avant d'être coupé. Voilà pourquoi. On a un très beau dinosaure. Regardez ça. Il est juste fantastique. Et on a également... Ça tient pas. Ça tient pas. Une très belle carte de ta part, qui est en fait le mot. Bonjour Super Héros Compagnie, comment ça va? Moi, c'est Nolan. Je te rappelle, quand j'avais 4 ans, je t'avais fait une super longue dans la vidéo. Tu t'étais trompé de personnage d'ailleurs. Maintenant, j'ai 8 ans. Alors, une lettre, je ne sais pas. 4 ans. Tu m'avais déjà envoyé une lettre que tu avais 4 ans. Mais alors, il y a un truc qui est bizarre parce que je ne fais pas les courriers des abonnés depuis 4 ans déjà. Donc, il doit y avoir peut-être. Soit j'ai mal compris ou il y a un problème, mais je fais pas ça depuis 4 ans, donc c'est pas possible que tu m'as déjà écrit il y a 4 ans. Le temps passe vite, mais quand même pas autant. Ok, abonne-toi. Eh ben merci beaucoup, t'as fait une Nintendo, du Mario, j'espère que tu aimeras les petits cadeaux. Bah, bien entendu que j'aime les petits cadeaux, j'aime toujours les petits cadeaux, et surtout des petites photos comme ça que vous m'envoyez, comme ça je sais à quoi vous ressemblez, donc ça me fait super plaisir. Merci beaucoup, et on va y arriver. On a gardé le plus gros pour la fin. Regardez, une grande enveloppe qui est pleine de superbes choses. Eh bien, on y va, il y a marqué tirer pour ouvrir. Donc on tire pour ouvrir et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors là, waouh, les bras m'en tombent. Regardez tout ce que nous avons là, plein de petites figurines. Je vois du Trésor X et je vois d'autres choses. On va analyser ça tranquillement. Et on est parti pour la lettre. Hey, salut Super Héros et compagnie. Je m'appelle Julien, j'ai 13 ans et grâce à toi, j'ai découvert les Trésor X, les Hot Wheels et beaucoup d'autres choses. Je t'en remercie. Je t'ai déjà écrit à l'épisode 30. Ah ouais, ça remonte également, effectivement, du courrier des abonnés. C'était super sympa. Aujourd'hui, je t'écris pour te demander si tu veux bien faire un échange de Trésor X avec moi. J'échange mon Trésor X Monster Gold contre ton Trésor X Monster Gold le loup. À ce jour, je n'arrive pas à l'avoir. Et là, tu l'as en triple. Est-ce qu'il est possible de faire cet échange si tu es d'accord? Je t'envoie
tout par la poste et des petits cadeaux si des fois tu peux déballer des super zings à tes vidéos, ça serait super cool. Bah les super zings, j'en trouve plus, je ne sais pas si je peux encore en avoir. Quant à l'échange, eh ben figure-toi que ces figurines, je les ai plus, j'ai mon fils qui les a échangées avec, avec des potes également, avec ses copains de classe. Donc malheureusement, je ne les ai pas, mais ça aurait été avec plaisir. On voit quand même ce que tu as envoyé, donc là nous avons, eh bien c'est une, j'allais dire une Matchbox, mais non, c'est une Hot Wheels 2011 Camaro, regardez, elle est plutôt cool. Et on a les, ce que tu appelles les super zings. Et je pense que tu as raison. C'est vrai que ces trucs surprises, moi j'adorais. Comme les grosseries gang, tout ça. Maintenant il y a les 5 surprises ou les méga grosses, qui sont les mini grosses, qui sont également très très cool. Et d'ailleurs j'ai prévu de vous ouvrir des boules. Ça va arriver. Donc là on a. Ah mais ça c'est le cerveau du. Ça c'est le cerveau du Monster Gold, je me suis dit aussi. Il est cool, hein. Il est cool le loup-garou avec son bras qui tombe là. Incroyable. Il tient pas en place. Alors, on a ici une espèce de... Alors, je sais pas ce que c'est, si c'est un super disque vinyle. En fait, les super zings, c'est tous des super-héros, si je comprends bien. Avec des caps. Là, on a... Ça m'a l'air d'être un frigo. Voilà. Ils sont assez sympas, quand même. Hein. Là, on a Super Cactus. Excellent. Ça me rappelle tellement les Shopkins de l'époque. C'était vraiment trop cool. Là, c'est un Trésor X. Un mini Trésor X de feu. Là, c'est un donut qui a été croqué. Excellent. Là, nous avons... Alors, c'est quoi ça? On dirait une poubelle. C'est super poubelle. Ensuite, nous avons super micro. Voilà, c'est un micro. Et le dernier, alors, est-ce que c'est un rare ou quoi? Mais c'est un cactus doré. Lui, il est cool, hein. Waouh! Il est vraiment très, très chouette. Alors, je te remercie énormément pour la découverte. C'est vrai que les super zings sont vraiment classe. Je vais voir si on en trouve encore. Et peut-être que je vous ferai une vidéo parce que vraiment, je les trouve tellement cool, ces petits personnages à collectionner. Et bien voilà les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 133 du courrier des abonnés. Je n'ai plus de lettres en stock, à moins qu'il y en ait dans ma boîte professionnelle. Faudra que je voie ça la semaine prochaine, mais je comprends très bien que vous êtes tous occupés, êtes en vacances. Moi, le premier, je pense que ça ira beaucoup mieux à la rentrée. Mais en tout cas, et néanmoins, nous avons eu ici un très bel épisode, hein, je trouve, avec des goodies super cool, des super zings, du Trésor X. Il y avait des voitures, des figurines de dinosaures, des petites figurines personnalisées qui sont très cool, mais mystérieuses pour moi. Des cartes Pokémon de fou, dont une carte secrète double rare qui était juste absolument top. Bref, les amis, merci beaucoup. C'était vraiment très, très cool, génial, une nouvelle fois, d'ouvrir vos lettres et de vous lire. Je vous souhaite encore de très belles vacances et surtout, ne manquez pas la vidéo de ce week-end, le set de la Ferrari F40 Lego Speed Champions, la petite nouveauté de cet été. Elle est absolument incroyable. J'en dirai pas plus. Vous verrez ça ce week-end. Portez-vous bien. Bonnes vacances encore. Salut Grido. À bientôt. Bye bye. Ciao.